Ce soir, je reçois Sol Gabetta. Vers 19h45, le son du jour de Justesse de Florent Marché. Vers 19h50, le grand tour de Marie Sorbier qui est toujours à Lyon pour nous faire découvrir la 15e édition du festival Lumière. Le tout est réalisé par Alexandre Fougeron avec Raphaël Rousseau et Dalia à la prise de son. Bonsoir, Sol Gabetta. Bonsoir. Vous serez en concert avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France sous la direction de Mico Franck ce vendredi 20 octobre à 20h à la Philharmonie de Paris pour une soirée, nous en parlerons, entièrement consacrée à la musique française. Concert qui sera suivi d'une belle tournée, marathon, hein, la semaine prochaine, Vienne, Munich, Hambourg, Cologne, Düsseldorf, Francfort. Hein, tout ça en 7 jours. Alors, en tout cas, ça me donne l'occasion de vous recevoir ce soir. On avait raté quelques rendez-vous les saisons passées, puis d'autres concerts suivront tout au long de la saison. Votre agenda en ligne sur votre site donne complètement le vertige. Et parmi ces concerts, de nombreux avec le pianiste Bertrand Chamaillot, avec qui vous sortirez en début d'année, sur mi-janvier, un nouveau disque, le troisième ensemble. Bon, bah, de tout cela, on reparlera, parce qu'on va revenir sur quelques moments importants de votre parcours. Alors, dire d'abord que vous êtes né en Argentine, avec des parents aux origines russes, italiennes, françaises. Vous avez ensuite étudié en Espagne, en Allemagne, en Suisse. Vous êtes installé depuis longues années, on va en parler. Mais on dit souvent que vous n'êtes d'aucune école, Sol Gabetta, ou plutôt comme une synthèse peut-être de différentes écoles. Est-ce que vous faites un lien entre vos multiples origines, les différents pays aussi où vous avez vécu, on va parler des professeurs, et cette forme de liberté qui est en fait votre signature? Oui, je pense que toujours il faut une certaine structure pour trouver une liberté. La liberté ne vient pas simplement comme ça. Peut-être ma chance, c'était justement d'avoir eu une école. C'était pas vraiment que j'ai pas eu des écoles. J'ai eu plutôt une école russe, je dirais, de violoncelle, pendant longtemps, pendant 10, 11, 12 ans à peu près. Je me suis un tout petit peu après éloignée, pas parce que je n'aimais pas, c'était au contraire, c'est quelque part chez moi une signature dans mon jeu, on le reconnaît, on le sent. En même temps, je suis allée chercher un peu ailleurs. Car je pense que tout type d'école, tout type de façon de jouer, c'est toujours juste une façon de voir les choses. Mais il y en a plein d'autres. Donc ça me passionne justement de submerger dans des autres types d'enseignants, dans des autres types, par exemple, justement, des corps, les corps d'un boyau. Mais pas que ça, les influences avec lesquelles on travaille. C'est pas seulement les gens avec lesquels on joue, c'est des fois aussi aller écouter, surtout écouter, et pas seulement produire des concerts, faire des choses. Je pense que dans l'écoute, on y gagne énormément. Donc c'est comme ça que j'ai réussi un petit peu à trouver mon propre chemin, en allant beaucoup aux répétitions, en découvrant un petit peu qu'est-ce que j'aime moi, qu'est-ce que je voudrais devenir moi comme musicienne. Je peux pas vraiment dire chaque décade je voudrais être quelque chose. C'est pas si clair dans moi, c'est une évolution. Tous les jours, on évolue. Mais quand même, il y a eu toujours quelque chose assez contrasté, je dirais. Dès que j'étais quelque part où je me sentais un peu confortable, en commodité, je commençais à me sentir plus très bien. Car j'avais besoin de sortir de cette zone de confort. C'est un peu ma nature, je pense. Mais non plus pas si inquiète que ça. J'aime bien être confortable. Mais sur cette confortabilité, je n'aime pas m'endormir. Parce qu'en fait, très facilement, une fois qu'on arrive à jouer avec certains orchestres, à faire un certain répertoire, on a évidemment un petit peu trouvé son chemin où on se sent dans une zone de confort qui est très agréable. Pas seulement qu'elle est agréable, surtout, elle nous permet, elle est importante aussi, de nous sentir en sécurité. Mais en même temps, de ne pas s'endormir et de se dire « je n'avance plus parce que je ne me critique plus, je ne me vois plus en face d'un miroir ». C'est ce que j'essaye toujours d'être bien consciente. Donc c'est vrai que ça dépend beaucoup les influences qu'on a à côté et qui est critique envers vous. Ouais, mais tout ce que vous venez de dire, Sol Gabetta, ça vient de loin, de très très loin, puisque alors vous commencez le violon, le chant à l'âge de 2 ans. Votre frère aîné Andrés, avec qui vous jouez souvent, est resté le violoniste que l'on connaît. Mais vous avez commencé le violoncelle dès l'âge de 4 ans.
conservatoire de Cordoba, avant de tomber amoureuse du jeu de la musicienne américano-polonaise Christine Walewska, avec qui vous allez ensuite commencer l'apprentissage. Mais se dire à 4 ans, à 6 ans, c'est cet instrument-là que je veux jouer, c'est quoi? C'est une vocation? J'ai beaucoup découvert avant. C'était pas le violoncelle tout d'un coup, ni simplement que le violoncelle. C'était la musique avant tout. C'était la scène aussi. J'adorais la scène. À quel âge vous avez commencé à sentir le plaisir de la scène? En fait, déjà toute petite, je ne jouais pas vraiment avec des poupées. J'avais créé mon propre chœur avec des petites figurines en céramique. Donc partout où j'étais, j'essayais de trouver une figurine en céramique pour avoir mon chœur des 40 chanteurs, 10, 10, 10 par voix. Et en fait, quand ils ne me plaisaient plus, pour certaines raisons, moi je disais qu'ils ne chantaient pas bien, je les éliminais. Il fallait trouver un nouveau chanteur. Mais ça, c'était mon jeu, je m'amusais énormément avec ça. Et donc du coup, je faisais travailler. Tous les matins, je faisais travailler dès que je n'avais pas l'école, ou les après-midi si je rentrais de l'école. Mais c'était un peu mon jeu. Donc la musique, je pense que était bien au-dessus de l'instrument. Après, j'ai rentré dans une école, c'était plutôt un jardin d'enfants, où on avait le chœur tous les jours. Ça, c'est rare d'en trouver. En Argentine, à cette époque-là, il en avait. Donc j'étais pendant 3 ans là-dedans, dans cette école. Et après, je suis rentrée dans une école normale. Donc là, doucement, ça a commencé avec le violon, le violoncelle. Le violon, j'ai commencé à 3 ans, en effet. Mais après, quand il fallait travailler, j'ai laissé tomber tout de suite. Et pourquoi le violoncelle, alors? Alors, le violoncelle, c'était un peu un hasard. Parce que j'étais dans la méthode Suzuki avec le violon. Tout allait relativement vite, mais beaucoup moins vite de ce que j'aurais voulu, parce que mon frère était violoniste. Et du coup, Frère aîné, ouais. Exactement, 4 ans de plus, il jouait beaucoup mieux, tout sonnait 1000 fois mieux. Donc c'était toujours un peu, j'étais tellement en retard pour arriver à son niveau, que j'étais assez frustrée en fait avec le violon. Et je pense que même physiquement, j'ai des mains qui ne sont pas des mains de violoniste. J'ai probablement plutôt des mains de violoncelliste. Non, si ce n'est pas des contrebassistes. On a l'impression, mais bon. Et du coup, je pense que le violoncelle, c'était vraiment un hasard. C'était le premier petit violoncelle qui a amené donc, la méthode Suzuki du Japon. Mais c'était un demi-violoncelle. Moi, j'avais 4 ans. Un demi-violoncelle pour un enfant de 4 ans, ça semble une contrebasse. Ce n'est pas du tout la taille adaptée. Et donc, à ce moment-là, ils m'ont proposé d'adapter un alto, parce qu'ils se sont rendus compte qu'il était beaucoup trop grand, avec une pique. J'ai dit... jamais de la vie. Moi, je vais en violoncelle, pas en alto. Donc, j'ai pas du tout accepté. Du coup, j'ai joué avec les pieds dans l'air pendant un certain temps. Et après, peu à peu, c'est devenu un violoncelle. Je pense que j'ai grandi avec cet instrument peu à peu. Mais par contre, c'était fascinant, cet instrument, car il était beaucoup plus grand que celui de mon frère. Le son était beaucoup plus puissant, plus rond. Et il y avait quelque chose de physique. Ça, je me rappelle très bien comme sensation. Parce que, comme sentiment plutôt, parce qu'on ne peut pas se rappeler de tout à cet âge-là, mais je me sentais physiquement à la maison, beaucoup plus qu'avec le violon. Même si j'ai toujours regretté d'avoir laissé le violon, j'aime beaucoup l'instrument en soi. Bon. Je ne sais pas si plus que le violoncelle, mais je l'aime beaucoup. Ouais, il y a quelque chose d'ancré, déjà dans la position du violoncelliste et de la violoncelliste. Mais donc, il y a eu ces cours, hein, quand même, tous les 15 jours. Votre père qui conduisait 695 km aller, 695 Exactement. Retour. J'ai vérifié hein, sur Cordoba, Buenos Aires, où habitait donc Christine Walewska pour apprendre. Mais autre grand choix de vie, à 9 ans, vous quittez l'Argentine pour l'Espagne avec votre mère, avec votre frère, qui lui auditionne pour l'école supérieure de musique Reina Sofía de Madrid. Vous présentez à l'examen de violoncelle. C'était pas vraiment prévu, je crois. Hein. Pas du tout. Et dans le jury, il y a Ivan Moneghetti, lui-même, élève de Rostropovitch, qui vous repère. Vous allez devenir son élève, d'abord à Madrid pendant 2 ans, puis à la Musique Académie de Bâle. Vous êtes encore une fois la plus jeune élève. Avant de parler de son enseignement, Sangabetta, si on parle souvent des footballeurs sud-américains qui quittent leur famille très tôt pour partir tenter leur chance en Europe, vous avez ce même vécu de déracinement. Qu'est-ce qui vous a fait tenir si jeune? Je pense d'abord, c'était pas vraiment un déracinement chez moi, car ma maman... Il y avait votre mère. Il y avait ma mère, premièrement, mais on était quand même une famille avec 4 frères et sœurs. Donc, évidemment, on s'est divisé en 2 pendant 4 ans. Il y avait la moitié de la famille qui habitait en Argentine, la moitié qui habitait ici. Pendant 4 ans, c'est pas peu. On se voyait 2 fois par an. Surtout à cet âge-là. Surtout à cet âge-là. Et en effet, les deux plus jeunes, donc moi et mon frère, on était quand même
très jeunes. Moi, j'avais 9 ans, mon frère avait 13. On était très jeunes, même pour les parents, c'était pas évident. Mais je pense que c'était pas un déracinement parce que on était déjà français. En fait, ma maman, la culture française, on l'avait déjà à la maison. C'était plutôt, surtout pour ma mère, je pense, visionnaire de rentrer chez elle. C'était vraiment, on a même pensé, c'est des fois les hasards de la vie de venir à Paris. C'est les hasards de la vie parce qu'en fait, au moment que je jouais à Madrid et que Monique était tellement enthousiaste, il a voulu me prendre. À ce moment-là, je pense qu'on ne se pose pas tellement de questions quand on vient, surtout d'un pays si lointain et si compliqué. Parce qu'à cette époque, encore en 1992, à peu près, 11, l'Argentine encore était dans une très bonne période politique, mais ce n'est plus aujourd'hui le cas. Il n'était plus le cas quelques années après. Mon père souvent me disait, si on n'était pas parti en fait à cette époque-là, probablement on ne serait jamais plus parti. Parce que même financièrement, ça aurait été vraiment difficile de quitter l'Argentine et même de survivre entre un pays européen avec des revenus d'Argentine. Donc c'était vraiment difficile pour nous. Donc en effet, je pense qu'il n'y a pas eu vraiment un déracinement. Et en plus, si je dois dire, c'était vraiment moi qui a plutôt enchaîné ce mouvement. Car à cette époque-là, quand on est venu, il y avait une place de violoncelle, mais pas encore de violon pour mon frère. Donc ils ont dit, pour ton frère, on aurait la place l'année prochaine. Et on aurait la place pour la petite Sol. Mais ma mère dit, mais on ne vient pas pour la petite Sol parce qu'elle est beaucoup trop jeune. Et moi, j'ai dit à ma mère, quand on est rentré à l'hôtel, ne te préoccupe pas, parce qu'on a une sœur handicapée, donc je pense qu'il y avait beaucoup d'arrière-pensées. Comment je vais faire avec la famille, tout le monde. J'ai dit, ne te préoccupe pas, je viens toute seule. Il n'y a aucun problème. C'est une école quand même qui avait la possibilité de nous héberger, mais pas des enfants si jeunes, c'était à partir de 18 ans. Mais en tout cas, j'étais bien décidée. Et ma mère m'a dit, ah maintenant, là, c'est vraiment pas possible. Mais en tout cas, je pense que cette vision, cette sérieuxité par rapport à la situation était pour moi très claire à l'âge de 9 ans. Même si je devais quitter mes copains d'école, c'était de ce côté-là, c'était pas facile. Mais c'est plus facile à cet âge-là que par exemple l'âge de mon frère. Lui, il a probablement beaucoup plus souffert de ce qu'on a discuté. Il était déjà adolescent. Ouais. Exactement. Alors, cette méthode Monighetti, vous allez la vivre pendant plusieurs années. Puis ensuite, il y aura un autre élève de Rostropovitch, David Gerinjas, le Lituanien, qui lui-même va vous prendre comme élève. Vous dites méthode russe, mais qu'est-ce que ça veut dire en fait, concrètement? Absolument. C'est quoi les journées? Vous avez raison, c'est quoi une méthode? C'est absolument vrai. Non, mais parce qu'effectivement, on parle de l'école française, l'école allemande, l'école russe. Alors, moi, si je dois... c'est difficile à répondre à votre question, vous avez complètement raison, et c'est une question surtout aujourd'hui très difficile parce qu'il y a tellement de mélanges dans les écoles à ce moment-là que ça n'existe pas vraiment une école comme existait avant. À votre époque, avec Monighetti, vous disiez par exemple, il n'y avait que deux morceaux dans l'année. On pouvait passer des heures sur un coup d'archet, sur un positionnement de doigts. Je ne sais pas si c'était l'école russe, en tout cas, c'était l'école de Rostropovitch. Oui. Et ainsi la sienne. C'est-à-dire que, par exemple, lui, il était souvent assez strict, même à cet âge-là. D'abord, il m'a organisé ma vie. À l'âge de 9 ans, il m'a dit, tu me fais un plan de la journée, de la semaine, des heures, des minutes. Et moi, à un moment donné, je me suis dit, mais c'est très bizarre de contrôler chaque seconde. Mais en fait, il a structuré d'abord toute ma façon de vivre, parce qu'en fait, c'était pas seulement le violoncelle. Pour lui, c'était important que j'aie le temps de me promener, le temps de jouer, le temps d'aller à l'école, le temps de lire, d'aller au musée. Exactement, le tout. En fait, c'était vraiment une culture générale dont il s'occupait de moi. Et ça n'existe presque plus. Donc, je suis tellement chanceuse d'avoir rencontré Ivan Monighetti. Il m'a construit musicalement, mais aussi humainement. Donc, c'est devenu un peu comme un père musical. Ça, c'était vraiment la chance énorme que j'ai eu de connaître Ivan Monighetti. Après, peu à peu, cette école russe, qu'est-ce que c'est quand on revient à ce thème-là? Il y a quelque chose, par exemple, moi, ce que j'ai observé dans l'archet, dans les écoles qui sont très différentes. Certaines écoles, moi, je vois bien, par exemple, l'école française de violoncelle, il y a beaucoup moins de mouvements du poignet. On est très propre aussi visuellement, ce qui se passe avec les mains. Le violoncelle, disons la technique du violoncelle russe, elle a beaucoup de mouvements de poignets et on rentre comme ça dans le son. C'est très très différent. Je ne sais pas, ça dépend le répertoire. Pour certaines choses, c'est incroyablement intéressant de voir ces autres écoles, anciennes écoles, et d'y prendre
le mieux de chaque école et essayer d'adapter son jeu à chaque musique. Parce que dire que sur, pardon, mais sur, selon le répertoire, votre propre corps, Sol Gabetta, il se comporte différemment. Pas naturellement, mais oui, consciemment. J'essaye d'arriver à contrôler mon corps. C'est pas évident, contrôler soi-même. Mais c'est assez intéressant d'essayer de se voir dans une multidimensionnalité dont on ne peut pas la voir. Donc c'est pour ça que c'est aussi important d'avoir des gens, des confiances, à l'écoute extérieure. Ce travail, on peut le faire, disons, visuellement avec un miroir à la maison. Mais ce qu'on peut pas, c'est dans une salle de concert, savoir, je vais jamais pouvoir m'écouter dans toute ma vie. Parce que déjà, même quand je m'écoute par la radio ou un enregistrement, c'est de nouveau une interprétation de quelqu'un d'autre, de l'ingénieur du son. Ce n'est plus mon vrai son. Donc c'est assez fascinant quand même de ne jamais pouvoir se connaître vraiment et toujours être à la recherche de ça. Ben, on va faire l'expérience, on va écouter un premier extrait d'un disque pas si ancien, Prayer. Pour donner quelques exemples, on va essayer d'entendre trois extraits de différents disques que vous avez gravés. Sol Gabetta, le premier, c'était en 2006, à tout juste 25 ans. Évidemment, c'est un moment important, on en reparlera. Mais très soucieuse de bien gérer votre progression, vous l'avez expliqué tout à l'heure, votre exploration dans le répertoire. L'interprétation, c'est pas seulement évidemment une question technique, mais c'est une question de ressenti. Il faut être là émotionnellement. Donc, en guise d'exemple, je propose d'écouter votre version du Chant des oiseaux, ce chant traditionnel catalan qui avait été adapté pour le violoncelle par Pablo Casals, que vous avez donc gravé pour le disque Prayer.
Song of the Birds, enregistré par vous, Son Gambetta. Oui, il y a déjà 10 ans, nous parlions du temps qui passe, mais être là émotionnellement, c'est ce que je disais avant d'écouter ce morceau, là, il faut y être. On ne peut pas tricher avec des partitions comme celle-ci. On ne peut pas tricher avec rien ni personne. Je ne sais pas. Moi, je suis assez franche et assez directe. Peut-être pas suffisamment diplomatique, mais... En fait, je pense que ça se ressent extrêmement fort dans la musique, surtout, car on est très exposé. Surtout au moment, par exemple, d'un récital, c'est ce que je ressens encore plus fort. On est vraiment très, très exposé, pire qu'avec un orchestre. Avec un orchestre, on est encore un peu soutenu. Il y a des moments où l'orchestre joue, on peut un petit peu, quelque part, un tout petit peu s'habiller, mais pas dans des récitals. Dans des récitals, maintenir l'attention d'un concert pendant 2 heures, 2 heures et demie, c'est pas évident. Et c'est pas seulement avec un jeu parfait ou pas parfait qu'on va arriver à enchanter. Quelque part, c'est un enchantement. Le public, pour qu'il revienne, pas pour qu'il soit content ce soir-là. Pour moi, ça va beaucoup plus au-delà de ça. Le soir où les gens rentrent à la maison, à leur maison, je pense qu'il y a quelque chose, en tout cas, ça se passe pour moi ainsi, c'est pour ça que je réfléchis beaucoup, qu'est-ce qui peut ressentir un public. Il y a quelque chose qui vous laisse une personne, comme après un dîner, comme après un rendez-vous. Mais dans un concert de 2 heures, c'est très fort. Ça veut dire que ce public est là en train de recevoir. Ils reçoivent. Bien sûr, nous aussi, on reçoit une énergie. Mais quand même, c'est plus dans l'autre direction. Ça veut dire qu'on donne beaucoup. Et la question, c'est est-ce qu'il y a beaucoup de tout cela qui est resté ou la plupart est parti? On ne sait pas. C'est ça qui est assez énigmatique. On ne sait pas. Ce n'est pas parce que le public a applaudi comme des fous que le concert a été un succès, en tout cas pour moi. Ouais. Mais des fois, il y a des moments où on sent que le public est très touché, il réagit un peu, peu à peu, mais je sens que le concert a été très fort. Donc ce n'est pas les applaudissements qui déclarent pour moi le succès d'un concert, ou en général, d'une interprétation ou pas. Mais à propos de sensations, Son Gambetta, je suis passé un peu vite sur des moments importants, les débuts au Festival de Lucerne en 2004 avec la Philharmonique de Vienne, avec Valérie Gergiev, parce que vous êtes lauréate du Crédit Suisse Young Artist Award, qui vous vaut notamment le prêt d'un violoncelle Guadagnini de 1759. Depuis, il y a d'autres violoncelles qui se sont ajoutés à ceux que vous alors possédez. En prêt ou en prêt. La plupart du temps, parce que ce sont des instruments évidemment très anciens. C'est quoi le rapport que vous avez avec vos différents violoncelles? Quel mot vous pouvez mettre dessus? Je pense que c'est presque des fois plus qu'avec son propre partenaire de vie. Parce qu'on J'espère qu'il n'écoute pas. Moi aussi. Non. Heureusement, il est luthier, donc il sait très bien de quoi s'agit-il. Non, mais en fait, il faut pas oublier qu'on est la plupart du temps avec cet instrument. Dans la chambre d'hôtel, dans les loges, sur les scènes, partout, dans les voyages. Je le quitte jamais. Évidemment, le moment du rapport avec l'instrument, c'est pendant le travail. Pendant le concert, bien sûr, aussi, mais on est moins ouvert au sens. Ça veut dire on est moins sensible à capter ce que l'instrument vraiment vous dit. Et quand il vous dit, c'est déjà trop tard, parce qu'en fait, on est dans une exécution. Donc, c'est très difficile. Même si je suis réceptif à ce qui se passe, je peux rien changer. Je peux pas m'arrêter. Je peux pas changer quelque chose. Donc, c'est frustrant. Donc, il faut pas arriver à cet état-là. Pendant la répétition, j'essaye toujours, c'est pour ça que j'adore les répétitions, parce que c'est le moment de transformation. Il y a tout qui peut se retransformer dans tous les sens et dans toutes les couleurs, dans toutes les façons, dans tous les langages. En fait, il y a une telle variabilité qui donne presque le vertige parce qu'il faut choisir. Oui, c'est ça, il faut choisir au bout d'un moment. C'est pour ça comment on choisit ? Mais je pense que l'interprétation aussi, il y a un thème important qu'on n'en parle pas souvent, c'est une question de goût. C'est pas seulement une question d'école, une question d'éducation, une question de manière de faire, une question de savoir lire une partition. Tout ça sont des étapes dans la période d'études qui peut être une semaine ou un an ou le temps qu'il soit. Mais après, il y a un choix. Et il y a un choix musical, il y a un choix intentionnel. Qu'est-ce qu'on veut réussir avec un accent comme ça
ou de cette manière, le coup d'archet plus fort, moins fort, la sonorité grande, moins grande, plus délicate, plus raffinée. Il y a tellement de choix à faire. Et la spontanéité peut seulement vraiment avoir un résultat positif si tout ça a été analysé à un moment ou à un autre. Parce que souvent, moi j'ai des expériences comme ça avec des collègues, qui te disent « Ah non, mais dans la répétition, je n'ai pas d'énergie, mais dans le concert, tu vas voir, ça va être génial. » Moi, je me... je vais donner tout ce que j'ai dans le concert. Et moi, j'ai du mal à croire ça. J'ai beaucoup de mal à croire ça. Parce que quand on n'a jamais essayé quelque chose, ça peut être un hasard. On a des hasards, super. Ça peut être formidable. Mais ça peut être un hasard aussi épouvantable. Donc, il faut essayer toutes ces variantes. Alors, vous parliez des concerts, des récitals, des gens qui peuvent vous accompagner. On va ouvrir quand même le chapitre Bertrand Chamaillou, camarade pianiste avec qui vous allez sortir donc mi-janvier un nouveau disque. Avant de parler de lui, on va l'écouter lui parler de vous. C'était au micro de Clément Rochefort sur France Musique en 2018. Ça fait plus de 20 ans qu'on se connaît et on a d'abord été des amis. Voilà, avant de commencer à jouer ensemble, c'est au bout d'une dizaine d'années, on avait chacun une carrière qui commençait, qu'on commence à dire tiens, pourquoi on n'essaierait pas de jouer ensemble. Et depuis, on s'est jamais décollé. On était déjà très très proches, mais là, on est né à quelques semaines d'écart. On est comme des siamois. Et pourtant, vous vous êtes un petit peu perdu de vue à un moment donné pendant les études, parce qu'elle développait une carrière un petit peu en Allemagne, plutôt, enfin du côté germanique. Vous étiez plutôt en France. Voilà, dans la musique, les frontières sont quand même assez fortes parfois. Et c'est vrai que moi, j'ai commencé ma carrière vraiment ici. Et ça me fait plaisir de voir qu'après, ça fait 20 ans que j'ai commencé mes premiers concerts quand même, mine de rien. Et de voir que j'ai un public fervent ici, toujours autant. Et dans le cadre de Sol, c'est vrai qu'elle a commencé plus dans les pays germaniques. Mais voilà, nous nous sommes croisés et rapprochés. Et là, ça a été l'entente immédiate, évidente, quand vous avez commencé à faire de la musique de chambre. Eh bien, c'était déjà une entente immédiate amicalement. Mais dès qu'on a fait les premières notes, il n'y avait rien à dire, vraiment. Et quand on parle, c'est vraiment pour pinailler, mais il n'y a rien à exprimer. En fait, tout passe vraiment dans le jeu très naturellement. Vous confirmez, San Gabetta, ces propos de Bertrand Chamaillou? Oui, c'est très rigolo d'entendre justement ça de sa voix. Mais en effet, c'était comme ça. Le premier concert, ça date à peu près des 20 ans. C'était rigolo parce qu'on a joué à Brême, je me rappelle très bien. Ça s'appelle Die Glocke. Et Die Glocke, c'est une grande salle de 2500 personnes. Mais moi, je ne savais pas. Die Glocke, ça sonnait comme une petite chapelle. Donc je lui dis, écoute Bertrand, si tu veux, on peut bien essayer pour ce concert pour la première fois. Tu sais, c'est une petite chapelle. J'avais aucune idée ce que c'était comme salle. Et on arrive, on se retrouve avec une salle de 2500 personnes. On était un peu paniqués tous les deux parce que c'était le tout premier concert qu'on jouait ensemble. Mais ça s'est tellement bien passé, c'était tellement naturel, la compréhension de la musique, le toucher, je ne sais pas. Il y a eu quelque chose, en effet, depuis le début. On n'a pas dû faire des efforts pour se comprendre mutuellement, musicalement. Et ça, c'est une chance. Parce que des fois, il faut faire un tout petit peu de compromis. Ce n'est pas non plus un problème, c'est plutôt une adaptation, pourquoi pas. Mais c'est vrai que c'est tellement une chance d'avoir trouvé si jeune, tant pour moi. Bon, un pianiste, moi je dis toujours, il n'a pas besoin d'un violoncelliste. Mais un violoncelliste a besoin d'un pianiste. Donc c'est vrai que c'est une chance, parce que la plupart de mes collègues solistes, ils changent tout le temps des pianistes. Parce qu'en fait, c'est difficile de trouver son partenaire comme ça, qui ait vraiment envie de faire un long voyage ensemble dans la musique de chambre. On fait une escale dans ce voyage pour donner entendre cette complicité. J'ai choisi un extrait de votre disque consacré à Robert Schumann. On va choisir précisément la deuxième pièce de l'opus 73 des pièces de fantaisie, avec comme indication vif et léger. Thank you.
Alors, il y a un prochain disque qui arrivera bientôt avec Bertrand Chamaillot, Sam Gambetta, c'est une bonne nouvelle. Après Chopin et Schumann, ce sera Mendelssohn, mais ce sera un double CD. J'espère que Bertrand Chamaillot viendra dans cette émission pour en parler au moment de la sortie mi-janvier. Mais le second comportera quatre relectures contemporaines. Alors, du Lied ohne Worte, moi je ne parle pas du tout, d'accord ? Donc la chanson sans parole. C'est ça. Par quatre compositeurs, alors j'ai regardé, le plus jeune à 38 ans, le plus âgé 84, ça fait des générations très différentes. C'était quoi ce désir avec Bertrand Chamaillot pour ce disque qui va bientôt arriver ? Alors, le besoin qu'on avait d'enregistrer Mendelssohn était quand même fort depuis quelques années, car c'est la première sonate qu'on a jouée dans ce fameux concert à Brême. Donc, on l'a jouée à peu près 200 fois dans nos concerts. La deuxième sonate de Mendelssohn, surtout, c'est une sonate qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup jouée. Mmh. Et donc, elle était assez mûre, je pourrais dire. Jamais trop mûre, mais suffisamment mûre pour pouvoir justement l'enregistrer. Et du coup, autour de ça, on a découvert pas mal des petites pièces, parce que par exemple, les variations concertantes, on n'avait jamais joué. La première sonate, on avait lu, mais on n'avait pas tant joué que ça. Donc, c'était assez fascinant de rentrer dans le monde les œuvres complètes, disons, de Mendelssohn. Et donc, quand on avait ce projet dans la tête presque finalisé, moi, je me réveille un jour, je me dis, ça peut pas rester là. Mais je ne savais pas non plus dans quelle direction ça pouvait aller, mais je voyais clair qu'il y avait quelque chose que je voulais encore développer dans ce CD, mais on avait toute la partition de Mendelssohn déjà. Donc, tout d'un coup, ce petit Lied ohne Worte, le seul Lied ohne Worte qui a écrit Mendelssohn quand même pour violoncelle et piano, parce que la plupart sont écrits pour piano seul, il y a des arrangements, évidemment, du piano, mais nous, on voulait vraiment chercher les originaux. Ça m'a un petit peu ouvert l'esprit et j'ai eu une idée un peu utopique. J'ai appelé Bertrand, j'ai dit, écoute, j'aimerais bien demander à quatre compositeurs vraiment des tranches d'âge, si possible, très différentes. Mais ce n'était pas le plus important. C'est un peu hasard, en fait, les tranches d'âge. Parce que franchement, quand on parle de Holliger, qui a 84, vous avez dit, je ne savais pas, 82, 84, il a une tête, un esprit si jeune. Ça nous donne de l'espoir. On pourrait dire qu'il a 38. Oui, on est d'accord. Donc, je pense, là, on ne sent vraiment pas les différences d'âge. Oui, non, mais bien sûr. En tout cas, c'était vraiment utopique parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps. Il restait peut-être quelques mois. Et Bertrand m'a dit, moi, je ne pense pas que ça va marcher. C'est génial, mais ils ne vont jamais écrire. J'ai commencé à téléphoner un par un et à leur proposer cette idée que je ne savais même pas comment la présenter parce que tout le monde me disait, non, les portes sont fermées, ce n'est pas possible. Ils ont 3 ans de commandes. Ils ne vont jamais écrire une question. Ça ne m'étonne pas que vous soyez très convaincante. Non, en fait, c'est au-delà de ça. Je pense qu'en fait, on a eu beaucoup de chance. Le thème Lied ohne Worte, chanson sans parole, ça fascinait les compositeurs. Et ça, je l'ai su maintenant, dernièrement, car j'ai reparlé avec eux pour leur demander justement s'ils pouvaient faire un petit texte pour nous expliquer, même sur le CD, qu'est-ce qui était l'enjeu pour eux. Voilà, pour quelles raisons ils ont eu. Ils l'ont fait. Parce que c'est arrivé relativement vite. Sauf Holliger qui l'a pris du temps. Parce que Holliger était très motivé pour Schumann, mais pas tellement pour Mendelssohn. Donc lui, j'ai dû le convaincre. Mais les pièces sont extraordinaires et surtout chacune si différente. La vision d'un Lied ohne Worte chez chacun, c'est si différent. Et c'est assez fascinant, ces quatre petites pièces. Donc, et en fait, on en a plus que quatre parce qu'on a eu de la chance que Holliger, au début, il a envoyé juste une. Et il était très motivé, je ne sais pas, il s'est réveillé. Le lendemain, encore une, et on en a trois. Ah ouais. Et de Rim, Wolfgang Rim, on en a deux. Ah oui, d'accord. Et Francisco Coll, on en a une, et Wittmann, on en a une aussi. Pas mal. Bon, ça, on guette évidemment, sera pour le mois de janvier. Mais l'actualité, c'est cette série de concerts que vous allez donner avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France, sous la direction de Mico Franck. D'abord à Paris ce vendredi, à la Philharmonie de Paris, puis en tournée en Autriche et en Allemagne la semaine prochaine. Un concert tous les soirs, il faut être en forme. Hein. Il y aura le concerto pour violoncelle d'Edouard Lalot que vous allez donc interpréter. Mais il y aura aussi dans ce programme une pièce de Mel Bonis et deux pièces de Maurice Ravel. Alors, pour le plaisir, parce qu'on n'a pas encore d'enregistrement disponible d'Edouard Lalot par Sol Gambetta, pour le plaisir et pour le clin d'œil, un extrait de votre disque Sol et Pat, sorti en 2021, on se rapproche dans le temps avec la violoniste Patricia Kopaczynskaya, le deuxième mouvement très vif de la sonate pour violon et violoncelle de Maurice Ravel.
Ah, quel régal de vous écouter avec votre camarade Sam Gabetta. Quelques instants encore en votre compagnie pour dire que donc il y a ce concert vendredi, tous les jours de la semaine prochaine, dans toute l'Europe, mais aussi aux États-Unis cette saison encore. Beaucoup, beaucoup de dates à venir. Ça nécessite aussi une hygiène de vie, j'imagine, particulière. Vous êtes une artiste athlète. Je pense que tout soliste et un peu athlète, mais même les musiciens d'orchestre, hein, parce qu'ils voyagent pareil. Ce n'est pas plus facile pour eux. Je pense que simplement, nous, on a un planning très concentré sur scène. Beaucoup de stress dans 30 minutes. Et eux, par contre, ils ont quand même les voyages et tout pareil que nous. C'est après beaucoup plus long. Mais la lumière est sur vous. Oui, si, effectivement. Si vous vous ratez, c'est un peu plus compliqué. Ça, c'est vrai. Ça, c'est peut-être vrai. Le couac en tout cas, de la soliste. On l'entend un peu plus. On l'entend un tout petit peu plus. J'ai de la chance. Je ne bois pas d'alcool, je ne fume pas. Mais ce n'était pas non plus pour avoir une bonne hygiène de vie. Je ne sais pas. Naturellement, je suis probablement née comme ça. Bon, ce n'est pas la méthode russe, ça. C'est pas la méthode russe. Vous voyez comme quoi on ne prend pas tout d'une école. Mais en effet, en fait, ce qu'il faut surtout physiquement, pas oublier que son physique et son mental vont ensemble. C'est important, bien dormir, je trouve très très important. Mais aussi, en même temps, physiquement, pas oublier de travailler. Parce que physiquement, si on n'est pas en forme, les tournées sont dures. Le plus difficile, c'est porter les valises, les instruments toute la journée. Et le soir, quand même, jouer. Parce que c'est quand même lourd. Quand on voyage dans chaque aéroport, les trains, etc. Fallait choisir la flûte traversière. Ça aurait été mieux, mais pas plus joli. Non. En tout cas, il me reste à rappeler, parce que l'émission évidemment est passée beaucoup trop vite avec vous, Sam Gabetta, que ce concert avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France, sous la direction de Mikko Franck, c'est ce vendredi, 20h, à la Philharmonie de Paris, soirée musique française, je l'ai dit. Donc, tournée la semaine prochaine à Vienne, Munich, Hambourg, Cologne, Düsseldorf, Francfort. Le disque Mendelssohn avec Bertrand Jamayou, ce sera mi-janvier. Et puis, on consulte votre site pour voir toutes les dates de tous les concerts. Vous jouez forcément pas très loin de chez les gens qui nous écoutent. Donc, il me reste à vous remercier, Sam Gabetta, d'avoir été notre invité. Merci beaucoup. France Culture. Affaires culturelles.